ZV. Montez dans le véhicule, je vous prie. Ok. Bonjour, V. Je suis Jefferson Perlez. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Perlez. Madame Perlez. Sacré Lise. Ma femme a un don pour juger les gens. Elle m'avait dit que vous conviendriez. Je vois pourquoi. Alors, vous avez quoi à me proposer ? Carter, en route. Elisabeth. Eh bien, vous le savez sûrement, le maire Lucius Rhine est décédé récemment. Nous voulons savoir comment, pourquoi, et tout ce qui peut être utile. À ce que je sache, l'affaire a été classée. C'est exact. La police a conclu à une mort naturelle, bien sûr. Rhine est décédé chez lui suite à une défaillance de son implant cardiaque. Mais cela n'explique pas l'attaque du cyberpsycho à la mairie, quelques jours plus tôt. D'après la police, les deux incidents ne sont pas liés. Mais on n'en est pas sûr. Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés ? Vous avez des preuves ? Peu avant sa mort, Rhine a fait des coupes dans le budget du NCPD. Il s'est peut-être mis des gens à dos. Quoi qu'il en soit, nous avons une déesse de l'attaque du cyberpsycho. Notre chef de la sécurité l'a analysé, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il nous faut un vrai éditeur de danse sensorielle. C'est une déesse brute. La déesse doit être remise à sa place, aujourd'hui. Autrement, beaucoup de gens auront des ennuis. Si vous nous aidez, vous pouvez la regarder maintenant. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Tout ce que vous trouverez, permettant de lever nos doutes, sera le bienvenu. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je me demande plutôt ce que tu fous là, toi. Eh, c'est aussi mon cerveau, non ? Et que je vous reprenne pas à mater les filles. C'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est la deuxième conférence en trois jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Vous allez complètement vous épuiser. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Race est-elle prête ? Oui, bien sûr. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. Le Red Queen's Race. Ce nom te fait pas percuter les neurones ? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant « qu'on leur coupe la tête !» Tu peux dire « j'en sais rien » au lieu de raconter des conneries. Regarde, ils sont partis quelques secondes avant l'attaque. On dirait que tout était planifié. Ou peut-être que le cyberpsycho en a juste profité. Tombe pas trop vite dans la parano. Laissez-moi. Et que je ne vous reprenne pas à mater les filles. C'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est la deuxième conférence en trois jours. Je ne comprends. C'est qui ce Holt ? Aucune idée. Pour moi, c'est tous des tronches de clowns. Parce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est la première chose. Riverward, NCPD. Un flic ? On le laisse entrer ? Il peut attendre. C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Le flic voulait dire un truc à la sécurité. Ouais. Enfin, il était surtout là pour lécher le cul de Rhine.
cramé la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Son corps a disparu de la morgue, ni vu ni connu. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûr de ça, ou tu racontes encore de la merde? Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr. On sait, les gens sont pareils, partout. Ok, donc tu racontes de la merde. Parlez au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. J'appelle pas ça un air. Il aime bien, en tout cas. Le terminal a planté juste au moment où il passait le contrôle. C'était pas un bug accidentel. Ah, j'ai vu des coïncidences plus bizarres. Comme ? S'envoyer une gonzesse, puis sa sœur dans la même nuit. Et découvrir qu'elles sont toutes les deux bonnes sœurs. Ça t'est vraiment arrivé? Non. Mais ça aurait pu. Tiens, tiens. Cette affaire pue plus que la baie de Coronado en plein juillet. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Le flic qui a sauvé Rhine. Vous avez des infos sur lui? L'inspecteur River Ward. Un type bien. On a travaillé sur quelques affaires ensemble. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. Eh ben... Ward est arrivé au bon moment. Soit il a une veine de cocu... C'est certain. Je sais coordonner. Et s'il vous faut autre chose, faites-le nous savoir. Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Rhine. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Je mène une enquête privée sur... cette affaire. Bonne chance, alors. Et tu veux me faire plaisir? Oublie mon numéro. J'aime autant les privés que le scope de chez Caliente. Je croyais que les flics et les privés bossaient ensemble tout le temps et vice-versa. C'est ça, tout le temps. Mais à New Hollywood. Bon alors, si t'es pas un privé, t'es qui? Tu le sauras si on se voit. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffaloes. J'arrive tout de suite.
Quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Tu me demandes de quoi? Toi, River Ward? En personne. V, c'est ça? Mon équipier, l'inspecteur Han. On pourrait se parler, seul à seul. Han et moi, on fait équipe. On n'a pas de secret. T'as vraiment l'intention de bosser avec un merc? J'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir s'il a du nouveau sur la mort d'Orheim. T'es encore sur ça? Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. N'oblige pas de le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, t'écouteras peut-être le conseil d'un ami. Faut que t'oublies cette affaire. Tu vas faire quelque chose, là? Ouais, juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok, fais comme tu veux. Pas question que je participe à ça. Je dois aller chercher la petite, de toute façon. Et essayer de trouver un coin plus tranquille, au moins. Histoire qu'on vous entende pas. Ok, je t'écoute. Je suis Chief of Staff et j'approuve ce message. Avant l'attaque, tu voulais parler à la sécurité de Rhine. Leur transmettre une info. C'était quoi? J'ai une question avant. Pourquoi tu fourres ton nez là-dedans? Qui t'a engagé? C'est Liz Perales qui m'a engagé. Et son mari, Jefferson. Quoi? Le candidat à la mairie? Ça, j'aurais vraiment dû le voir venir. C'est quoi? Han a raison. L'acoustique est un peu trop bonne ici. Je suis garé juste dehors. Ok, très bien. Du commissariat ont repéré Horvath, du côté d'Arroyo. Ils tiraient sur des bennes à ordures en hurlant qu'ils devaient voir le maire. Ils l'ont embarqué. Ils ont embarqué qui? Peter Horvath, le cyberpsycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. Tu dis qu'il s'est perdu? Comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Et avant que tu le demandes, non, je sais pas qui. À mon tour, pourquoi Perales s'intéresse à ça maintenant? Et pourquoi il fait ça en douce, sans en parler à la police? Le Red Queen's Race, t'en as entendu parler? Tu sais ce que c'est? Peut-être bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rhine? C'est là qu'il devait aller le jour où il est mort.
D'accord. On va aller voir mon indic. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indic le saura peut-être. Après, on ira voir la femme pour qui bosser en vat. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. On n'a qu'à parler à ton indic. Le club a une meilleure piste. Ok, ça me va. Mon indic bosse ici. Va lui parler. Moi, je t'attends dehors. Dis-lui qu'Igor le salue. Il comprendra le message. Ok, attends ici si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches ? De l'inspiration ou bien quelque chose de précis ? Dans les deux cas, je peux t'aider. Igor te salue. Non, putain ! J'ai dit que j'arrêtais ! C'est fini ! Foutez-moi la paix, putain ! C'est pas compliqué ! Putain ! Salut, Neil ! Va chier ! Du calme. On a juste une question à te poser. Y'a rien à voir par ici. Allez, dégage! Foutez-moi la paix, ok? Vous pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit! Le Red Queen's Race. Donne-nous l'adresse et on disparaît. On m'a déjà dit ça la dernière fois. Et puis ces enculés se sont pointés, ils m'ont pété tous les doigts! Tes doigts? Moi, je vais te péter tellement de trucs que t'y penseras même plus à tes doigts. Je vais commencer par les tibias. Tu sais à quel point ça fait mal? D'accord! Putain! On se calme, ok? C'est en dehors de la ville, près du fleuve. Du côté de Bonita Street. T'y es déjà allé? Je vous dirai pas un mot de plus, rien. Allez vous faire foutre, tous les deux. Bon, bon, bah voilà. On dirait bien qu'on avance. C'est prometteur, mais on devrait quand même passer au marché. Quel marché ? L'employeuse d'Orvat, celle dont je te parlais. Vaut mieux pas laisser cette piste de côté. Ok, on va faire un tour à ce marché. Du coup, on prend ma caisse ? Ça marche, merci. C'est discuté 90% du temps. Si on changeait de tactique cette fois, d'abord les questions, et après les menaces. Alors on est censé parler à qui, au juste ? La patronne du cyberpsycho, c'est ça ? Christine Markov, 42 ans. Unique employeuse d'Orvat, d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, V. Je sais pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Je prends à gauche, et toi à droite. Ah ! Une belle journée, pas vrai ? C'est la merde, de toute façon. Je crois pas, on est... Qu'est-ce que vous me voulez ? Elle est là-bas. Elle tient un stand. Merci. Hé, hey, V, attends un peu. Écoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique ?
pathétique. Il arrive à peine à tenir sa gratte. Désolé, je reviens. Vous êtes Christine Markov? On a des questions. Vous êtes flic? Non, on n'est pas flic. On cherche juste des infos. Tout le monde cherche toujours quelque chose. Avec les flics, au moins, je sais à qui je parle. Avec les autres, par contre, si on l'ouvre un peu trop, on court le risque de voir des corpos ou des gangs se pointer le lendemain. Peter Horvath, il bossait pour vous, non? Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Il racontait quoi, dans tous ses discours? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait Homer? Vous voulez comprendre un dingue? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Horvath, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. Et d'après Horvath, qui d'autre lui en voulait? À part Ryan, Madame la Présidente. Et aussi le vieux Arasaka. Et quand il est mort, ça a été le tour de son fils. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Alors Horvath en voulait personnellement à Ryan. On aurait dû s'en douter. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident? Coïncidence? Ou du poison dispersé dans l'air? Un meurtre? T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça? Non, j'ai inventé. Oh, super. Laisse-moi régler ça, vie. Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil? Allons, allons, messieurs. Hé, hey, on se calme. Wodo, koitsu wa nani mon nan da? Nakanaka ijime gai no arisou na yatsu ja ne ka. Allez, le clown. Saute! Non, mais sérieux! Oh non! Non! Pitié! Ayez pitié! Putain, V. Je t'avais dit que je m'en occupais. Se promener avec toi, c'est carrément risqué. Tous les gangs en ont après toi ou c'est juste les Tigers? Je suis flic. Qu'est-ce que t'espérais? Je vais devoir faire un rapport. Bon, le Red Queen's Race maintenant. Je dois d'abord nettoyer tout ton bordel. On se retrouve là-bas. J'imagine que t'es d'accord. Salut. C'est le territoire des Animals. Merci, je vois ça. T'as foutu un des leurs en tôle récemment? Non. Mais eux non plus. Ils aiment pas trop les flics. Je peux pas entrer sans mandat. Mais toi? D'accord. Je te tiens au jeu.
Dis-moi si tu trouves quelque chose. Dégage. Y a rien à voir ici. J'ai trouvé une porte latérale. Les animaux se laissent vraiment aller. Ils l'ont sûrement pas vérifié depuis un bail. Un garage, tout ce qu'il y a de plus normal. Le club est là. Je le sens. C'est... ton intuition de flic qui parle, quoi. On peut dire ça. Face à face.
Je vais te couper en deux et me faire des haltères. Ah!
ça. Joli. Quelqu'un voulait vraiment cacher ce qui s'est passé ici. Alors, recherchez quoi? Ouvrez les pièces, putain! On a un dans tous les clubs. Je dois aller taper la discute. C'est toi l'inspecteur? Mais j'ai pas de... De mandat. D'accord. Quoi? Pourquoi vous surveillez Stodier? Y'a plus rien à chourer ici. On surveille que dalle. On attend. Vous attendez quoi? On nous file notre fric pour avoir fait du bon boulot. À saccager ça comme des pros, non? On a fait notre part. On attend d'être payé. Vous avez saccagé cet endroit pour qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je pourrais accélérer votre paiement. Putain, tu me prends pour qui? Tu crois que je gobe du scope comme ça? Je voudrais acheter Stoddy et en faire un endroit élégant et premios. Mais ça me paraît compliqué tant que vous êtes là. Alors, je dois bien accélérer votre transaction. Mais d'abord, faut que je sache qui vous doit du fric. Weldon Holt. Le roquet qui servait de bras droit à Lucius Rhyne? Le candidat à la mairie aux prochaines élections? Ouais, un vrai connard pour ce poste. Merci, ça va m'aider.
Ça va? Hé! Allez. Tu m'entends? Respire. À mon avis, Ray n'est pas mort d'une crise cardiaque. Ouais, c'est ce que je dis depuis le début. Mais... on avait rôlé sa déesse. C'est sûrement ça qui l'a tué. Merde. T'as peut-être bien raison. Allez, V. On dirait une sorte de bureau. Les ordinateurs. C'est surtout ça qui nous intéresse. Ouais, raide comme une planche. Il est mort depuis une bonne heure, je pense. Non, pas de carte de la... dans un club pareil, on n'a pas envie que la trauma se pointe en défonçant la porte au moment le plus chaud. Sûrement le cœur, il devait se faire un truc un peu trop vicelard. Ok, ouais, on va faire comme ça. Le légiste le trouvera chez lui, je lui dirai quoi écrire. Il est mort tranquillement dans son lit. Les gars l'emmènent. Non, évidemment, personne ne les verra. Mais... ouais. Je te rappelle tout à l'heure. Bizarre. On le connaît, ce type, non? V, je suis pas d'humeur à plaisanter. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait. Bien, on y va. Ok, on fout le camp. J'ai repéré une autre sortie quand on est entré. Encore avec ces minables. Écrase, Harold. Je sais ce que t'as fait. Je vais pas te demander pourquoi t'as maquillé ça, ni ce que t'es allé foutre dans ce merdier. Je veux juste savoir qui t'a donné l'ordre. Qu'est-ce que ça peut faire, River? Pourquoi ça t'intéresse? T'as la conscience tranquille. Tu peux dormir la nuit. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris toute la responsabilité. Toi, tu sais pas comment ça marche, cette ville. Tu crois que tes grands idéaux à la con... ça va changer quelque chose? Eh ben non. Ils ont jamais servi à rien. Hé, hey, me regarde pas comme ça, le merc. Tu sais que j'ai raison. Je suis pas d'ici. Je viens de nulle part. Ah, un nomade. Tu vois, le NCPD, c'est ma famille. Mon clan. On peut pas rompre avec sa famille. On tourne pas le dos au sien, juste comme ça. C'est des conneries, Han. La fraternité entre flics, ça a rien à voir avec un clan. La loyauté, les liens du sang, servir un idéal supérieur pour la communauté. Je continue? V, j'apprécie ton aide, mais... ça te regarde pas. Je m'en occupe. Tu comptes faire quoi? Me mettre en état d'arrestation? J'ai un enregistrement, un mobile, des aveux. Alors ouais, je pourrais... mais ça rimerait à rien. T'as même pas besoin de me dire qui t'a ordonné de faire le ménage. Je le sais déjà. Et puisque même nos chefs sont mouillés,
Je dois aller voir les affaires internes. Ils feront que dalle. Pas moi. C'est toi qui vas te retrouver dans leur collimateur. Allez, rentre chez toi, Howard. Va dormir. T'arriveras mieux à digérer ça demain matin. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Fais chier. Alors, et maintenant ? Je peux pas laisser passer ça. Non. Holt a assassiné Rein. Il voulait son poste. C'est le plus vieux mobile de l'histoire. C'est pour ça que j'y crois. Il s'est servi du NCPD pour couvrir ses traces. Je pense aussi que c'est Holt. Y'a que lui qui avait à y gagner. Je vais informer les affaires internes. J'en sais assez pour faire rouvrir cette enquête. Vas-y. Toi, tu vas faire ton rapport au Perales ? Ouais. Ok. Je vais rester, observer un peu. Merci, V. Alors, pour Rein, j'ai une idée assez précise de ce qui s'est passé. Parfait. Passez donc nous voir. C'est une affaire délicate. Je préfère en parler face à face. Nous vous attendrons. On est à l'étage. Merci. J'ai qu'une seule chose à te dire. Je t'écoute. Leur dis rien. T'en mêle pas. C'est un vrai nid à merde, toute cette histoire. Fais gaffe ou tu risques de rester au fond. Je leur donne pas quelque chose, ils me paieront pas. On se débrouillera sans leur fric. C'est vrai que t'as pas besoin de manger, toi. Bonjour, V. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. Jefferson ne va pas tarder. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ravi de vous voir, V. Elisabeth m'a dit que vous aviez des réponses pour nous. Je suis tout oui. Je suis pas sûr à 100% de ce qui s'est passé. On ne peut jamais être sûr, mais... Ouais, j'ai une petite idée. Alors ? Je pense que Weldon Holt est derrière la mort de Rein. Ah, je le savais. Vous avez des preuves ? Non, mais... J'ai de forts soupçons. C'est tout ce qu'on avait besoin de savoir, Jeff. Il faudra être prudent, surveiller Holt et renforcer notre sécurité. Oui, tu as raison. Comme toujours, tu as raison. Merci de votre aide, V. Votre argent,
Surtout, veillez bien l'un sur l'autre. Bonjour. Bon, où en étions-nous? Non mais, attention! Bien, nous reprendrons plus tard. Vous êtes toujours là? Et la conférence? Allons-nous pouvoir utiliser la mairie? Non, non, non! Jeff était au conseil jusque très récemment. Il a autant le droit d'utiliser cet endroit que Monsieur Rhine. Réglez ça. Aujourd'hui. Nous sommes décidés. Ne croyez pas que nous allons en rester là. La conférence aura lieu à la mairie.